Alors, félicitations à tous les deux pour arriver à la finale. Mais maintenant, jusqu'à la finale, comment vous allez vous préparer? Mais pour ma part, la finale est samedi soir à 17h51, dernière finale de samedi. Ce matin, je me suis bien reposée. Cet après-midi, un petit entraînement. Demain, la même chose. Et samedi, vraiment, je rentre dans ma compétition pour ma finale. Voilà. Une autre compétition. Bah pour moi, déjà demain, j'ai la compétition par équipe. Donc, c'est très important. On sait que c'est la compétition reine. Surtout pour nous, on a vraiment bossé le par équipe. Donc, c'est vraiment une priorité. Donc voilà. Et après ce par équipe, je vais plus me concentrer sur cette finale en fait. Et d'abord, je me concentre sur la compétition par équipe. Et puis vendredi soir, je vais vraiment me focaliser sur la finale. Quand on sort au tatami, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous ressentez? Et ben moi, ça m'a vraiment aidé ce public, hein, parce que c'était, de toute façon, on l'a dit, hein, c'est à double tranchant. Soit on a les jambes coupées et on n'y va pas, soit le public nous porte et là on est transcendé et puis personne ne peut nous arrêter. Et pour moi, hier, c'était ça. J'étais transcendé, le public m'a vraiment aidé. J'avais le doigt luxé, mais j'ai rien senti tellement j'étais sous adrénaline. Donc, c'est vraiment quelque chose de super et c'est la première fois qu'on connaît ça. Et je pense que ce sera la première fois et dernière fois, puisque les championnats du monde à Bercy, c'est une fois dans une carrière. C'est également, je pense, tout à fait la même chose. Moi, le public, au départ, il m'a beaucoup impressionné. J'ai été très surprise de l'ambiance, du bruit et de la ténacité des applaudissements. Et j'ai mon coach qui a suggéré ça avec moi et ça m'a plus porté qu'au contraire rabaissé, quoi. Donc c'était très 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 appréciable. Merci beaucoup au public. Résultat pour la finale? J'espère deux victoires. Hein. nous deux. Ouais. Deux finales, deux victoires. Kata aussi, hein. Allez, Kata garçon. Ouais, et puis il ne faut pas oublier tous les autres coéquipiers. Bon, on espère, on a beaucoup. Il y a beaucoup de finalistes et il faut qu'on rafle tout, quoi. Il faut qu'on mette notre empreinte sur ce championnat du monde. C'est ça. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.